Et bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dead Space. On s'était arrêté au niveau 3, il me semble, hein. Donc on est de retour dans une espèce de couloir pour pas changer. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Je déteste les chipolatas en plus. Non mais c'est vrai. Je dis pas tout de suite et il m'envoie un monstre tout de suite. Et il y a de quoi. Oh là là, je vous jure. Non, maintenant j'ai plus de munitions du tout. Ça s'arrange pas. Mais non, pas tout de suite. Obligé de leur faire sauter la tête, hein. C'est pas possible autrement. Inventaire plein, attendez, là il faut que je change un truc. J'ai pas une galette de stase. Dent trancheuse. Schéma choc laser. Ouais, bon écoutez, je vais déposer le schéma. J'ai plus. Il y a plus urgent, on va dire. Si j'arrive à les choper. Munitions. Je vais aller les déposer ailleurs. Mauvaise manipulation. Hop, 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 hop. Mais non! Je m'en fiche de ton schéma. De toute façon, je comprends rien au schéma. Voilà. Eh. Hey. Hein? J'ai repris le schéma. Mais il se fout pas de ma goule. Si, il doit se foutre un peu de ma goule. Cool et détendu. Là, normalement, j'ai les munitions. Voilà. C'est ce que je veux. Et ça, c'est dent trancheuse. Ok. Bon là, ça promet d'être lourd parce que là, franchement. Système de défense prêt pour utilisation. Parfait, ça devrait suffire. Mais la vidéo automatique du canon est foutue. Je pense que c'est juste un problème de câble. Manœuvrez le canon pendant que j'essaie de réajuster ça. Prenez l'ascenseur jusqu'au sommet du vaisseau, puis accédez au canon. Ok. C'est bien par là. J'ai plus. Là, j'ai peur, là, il y a un drôle de couloir. Je vais courir! Non, mais fallait pas avoir peur comme ça, hein. C'est qu'un couloir. Hein. Je vous jure, je me mettrai des claques par moment. Avoir peur d'un couloir, c'est comme si qu'il allait avoir quelque chose qui allait se refermer. Je dois regarder Resident Evil, moi. Ah, je vous jure. C'est parti. Alors là, je vais reprendre l'ascenseur pour pas changer. Hein? Ah, par ici. Et vous, quel est votre jeu d'horreur préféré, mes gens? C'est le moment de me le dire pendant cette pause ascenseur. Faut pas hésiter. Bon, là c'est tout, c'est fini. Vous avez plus le droit de me le dire. Bon. C'est très inquiétant ici. J'entends des drôles de bruit. Vous allez devoir passer par l'extérieur pour rejoindre le canon de défense. Le problème, c'est que les astéroïdes ne vont pas s'arrêter. Avancez à couvert ou elles vous tueront. Ah, je vais ouvrir là-bas. D'accord, donc là on a un système d'air, vous allez voir. D'accord. Ah non! Warning! Warning! Zero! Zero! Donc, zone sans gravité. Alors là, il y a des pompes à oxygène. C'est bon, on peut y aller! On peut y aller! Y aller. J'ai pas tout compris. Il y avait pas de cailloux pourtant. Bon, allez. Zone sans gravité. Bon, je pense qu'il faut vraiment que je... Soit je cours, soit j'esquive tout. Alors là, comme il y en a une qui arrive, je vais courir le plus vite possible. Impact multiple détecté sur la coque externe. Mais ça explose. Alors du coup, je dois rester là comme ça. Oh. Oh. L'espace est très bizarre. Elle est mal faite l'espace là, non? Je vois pas trop le chiffre, 62. D'accord, bon à mon avis je peux y aller.
Bon, écoutez, je cours, hein. Je cours, sinon demain on est encore là. Et on a un peu de temps, je suppose. On a un peu de temps. C'est violent, hein? Ah, pourquoi j'y vais, moi? Mais je suis trop con. Allez, Isaac. Attention. Quoi, t'es en train de mourir, non? Oui, il est en train de mourir, il me reste 30 secondes à vivre. 35. Allez, dépêche! Il est en train. Et moi je suis là, je peux rien faire d'autre à part me cacher. Allez. 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 Zone sans gravité. On l'a échappé belle. Mais attendez, il est en train de mourir là ou quoi? Ah mais c'est what the fuck quoi. J'ai cru que j'allais mourir là sur le coup. Non, je veux pas ça. Problème de bouton. J'ai un mécanisme de bouton. Le bouton veut ma mort. Regardez, je peux même pas ramasser en fait à côté de la sauvegarde. Si je trouve le rouleau de printemps qui m'a fait ça, du coup je suis obligé de faire ça. Regardez, hop, 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 hop. Voilà, et là je peux le prendre, mais comme l'inventaire est plein, bah c'est plein. Bon, que fait-on? Jeune Padawan. Bon, on va s'asseoir un petit peu. Bon, oh. Ah ouais? Ils devraient pulvériser tout ce qui arrive. Ça rigole pas en fait. Sur les dommages externes. Si on prend trop de débris, on y reste. Le système devrait bientôt être réparé. Bienvenue dans Star Wars. Oh, j'arriverai pas. On est dans Star Wars. J'ai plus de munitions. La coque est à 59%. Mayday. Eh, c'est chaud, hein, mine de rien. Le gameplay, là, il est... Je vais faire à la souris. Encore une minute. Et ce sera en... On n'a pas une minute. On est en critique. Une boule et puis on est mort. Allez. Ah mais on va pas s'en sortir. Il n'y a pas de seconde, dépêche. Mais il est... C'est le stress, là, la panique, une boulette. J'ai chaud! La visée automatique fonctionne et va sécuriser notre orbite. Dès que ce sera fait, je réactiverai l'autopilote. Dirigez-vous vers le tram et je vous retrouve là-bas. Non mais je vous jure, je m'y attendais absolument pas là, c'est... Waouh, on est passé tout près, hein! On était à quoi, 7%? 7% quoi. Alors, on est à 10 minutes de vidéo. Enfin, à peu près. Donc là, en fait, je vais repartir et normalement, je pense que je peux courir. Il n'y a plus de problème de météorite. Du coup, on peut. Ouais, mais il y a des problèmes de monstres que je n'avais pas vus. Ok. Bah, je fais l'andouillette, je cours. Allez, je cours. De toute façon, ils me courront après. Hop. De toute façon, c'est l'astuce. Croyez-moi, sur mesure, c'est ça. Il faut faire ça. Les monstres, ils vont pas vous avoir, vous inquiétez pas. Mais même si... Mais vous savez, en fait, je dis de la merde. Si ça se trouve, ils vont m'avoir. Hein. Je ne sais pas. Mais c'est qu'il y en a tout plein ici, des monstres. Des monstres découpés, tiens. Allez, nous, on fuit. On va faire coucou, panier. Sortie zone sans gravité.
C'est bon. Bah, finalement, je suis fier que mon astuce ait fonctionné. Ouais, je suis fier de moi. Hey, ah Isaac, Hammond, j'ai une mauvaise nouvelle. L'oxygène baisse dangereusement. Quelque chose infecte l'air produit pour les cultures hors sol et quoi que ce soit, c'est en train d'envahir le pont de cette saleté. À ce rythme-là, on va bientôt manquer d'air. Mais si je comprends bien ces analyses biologiques, je pense pouvoir fabriquer un poison pour la détruire. Allez à l'infirmerie, il y aura tout ce qu'il faut. Il manquait plus que ça. Isaac, allez à l'infirmerie et faites tout ce que vous pouvez avec Kendra. Je vais à la salle des cultures. Si je peux la ralentir, ça nous laissera un peu plus de temps pour combattre. Du coup, là, on repart. Non, mais c'est cool. On repart. Donc, on doit aller à l'infirmerie. À mon avis, c'est la grosse tentacule qui doit faire ça. Bon, cette fois-ci, tu m'auras pas le couloir démoniaque. Et voilà, je rentre en des voix. Hein? Un poulpe? Un bébé poule! Nya 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 nya, j'ai vu une tentacule! Elle est où? Ah! Elle est folle! C'est quoi, ça saute partout? Au secours! Mais ça saute partout! Regardez, c'est des bras! Ah putain! Et je crois que ça peut me tuer! À ton copain! Non mais je leur ai dit de pas me faire ça dans le film! Je leur ai dit, je suis trop cardiaque! Mais non! Non, ils m'ont dit, t'inquiète pas, ça fera pas peur! Ouais! Je retiens! Et maintenant j'ai chaud en plus. Ici Temple, passerelle foutue. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais j'ai aucune envie d'attendre sagement pour le découvrir. Je vais vers la salle des cultures. Trouver Elisabeth. Alors je crois que je dois aller au niveau 1. Je pense, hein. Je pourrais pas vous dire vraiment, mais il me semble que c'est là-bas. J'y vais, moi. C'est long. Donc c'est pas là. Du coup, c'est au niveau 2. C'est une horloge là, leur ascenseur. Je sais pas c'est quoi tous ces bruits. Ah, ici. Il est où le... J'ai dû le prendre. On arrive au tram. La SNCF est fière de vous présenter son nouveau tram. Voilà, épisode 4 terminé. Mine de rien, on avance. Lentement mais sûrement, encore une fois.
En tout cas, mes gens, c'est ici qu'on va se quitter pour cet épisode. Je vous dis donc à la prochaine pour la suite et surtout, portez-vous bien. Bye bye.